Ça fait, je te dirais, 3 ans qu'on a des problèmes. Là. Les populations grossissent tout le temps, année après année. Je l'ai vu apparaître, je vous dirais, il y a à peu près 5 ans. C'est un insecte qui est efficace. S'il manque de bouffe dans les autres variétés, à un moment donné, peut-être qu'ils vont s'attaquer justement les variétés qui ne sont pas affectées présentement. Sinon, il faut être assez à l'affût pour voir le début des dommages, parce qu'en l'espace de 7-8 heures, ils peuvent ravager un arbre au complet. Là, c'est pas très long. C'est très important d'avoir quand même un bon feuillage. Actuellement, on n'a pas de gros cheval de bataille pour se battre contre le scarabée japonais. Ça fait des ravages, c'est l'évasion. La nature balance pas, c'est une espèce sur laquelle on n'a pas de contrôle. Thank you.